Bonjour Emma Becker. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Julien Rousset, je suis journaliste à Sud-Ouest et je suis ravi de parler avec vous aujourd'hui depuis Bordeaux et vous êtes à Paris de L'Inconduite. C'est votre quatrième roman, il paraît chez Albin Michel. Vous avez 33 ans seulement et déjà écrit quatre romans. Et donc dans L'Inconduite, on retrouve une narratrice. On peut supposer que cette narratrice est votre double fictionnel. Elle vit à Berlin, elle a récemment accouché d'un petit garçon qui s'appelle Isidore et elle multiplie les aventures, les rencontres avec des hommes sur une gamme de sentiments assez large, d'après ce que j'ai perçu du livre, puisque ça va de la simple recherche, simple d'ailleurs qui n'a rien de simple, mais du plaisir sexuel, jusqu'à des histoires qui flirtent avec la passion amoureuse, il m'a semblé. Donc, il y a Lenny, le mari, John, Cécile, le médecin, Cody, le financier, Vincent, le réalisateur. Votre narratrice écrit qu'elle voulait écrire justement sur le déchirement que c'est d'être mère et de n'être pas comblée pour autant. Elle écrit aussi qu'elle a essayé de se distraire de la place immense qu'Isidore, son enfant, prend en elle en fréquentant tout un tas de mecs qui me faisaient, là je parle à sa place, sentir vivante, c'est-à-dire en danger. C'est un texte courageux, direct, où il est question des ambiguïtés de la maternité, de l'enfermement que ça peut représenter, de la domination masculine, de jusqu'où on peut aller dans la quête du plaisir, ou jusqu'où on veut aller dans la quête du plaisir, de la volonté d'exister, de la volonté de se sentir vivante, et finalement de ce que la narratrice fait de sa liberté de vermine, pour reprendre une expression qui vient d'elle. Donc on va revenir sur le récit, mais avant cela, je voulais vous poser une question un peu plus générale sur votre approche de la littérature, parce que je disais que c'est votre quatrième roman. Il me semble que dans votre œuvre, il y a deux trames assez claires. C'est d'une part l'expérience vécue, une forme d'autobiographie, une forme de, et d'autre part le désir et la sexualité. Pourquoi est-ce que finalement vous avez choisi ce chemin-là vers la littérature à travers ces deux balises, l'écriture de soi et l'écriture du désir? L'écriture du désir, c'est quelque chose qui s'est présenté de façon assez naturelle. J'ai pas tellement réfléchi là-dessus. C'est un prisme qui m'a toujours intéressée. C'est un éclairage sur le monde qui m'intéresse, qui me fascine, qui me questionne beaucoup. Et à travers lequel, je pense, on peut aborder plein de problématiques qui n'ont en fait pas grand-chose à voir avec le désir pur, quoi. Plus que la sexualité, c'est le désir qui m'intéresse. Enfin, c'est les chemins en fait menant à la sexualité. Mais je dois dire que j'ai lu aussi beaucoup d'ouvrages qui traitaient de ça quand j'étais très jeune. Et il y avait quelque chose. Bon, c'était des ouvrages majoritairement écrits par des hommes. Et quelque chose là-dedans, dans cette tentative des hommes de comprendre les femmes, de comprendre le sexe opposé, je trouvais ça très émouvant. En fait, j'aimais cet éclairage sur le monde. Et je crois que rapidement, j'ai eu envie d'apporter un peu ma pierre à cet édifice. Enfin, en tout cas, de parler de sexualité et de désir depuis l'autre côté, en fait, depuis cette classe entre guillemets des femmes qui avait l'air de tellement passionner les hommes. J'avais envie d'apporter une voix féminine sur ce sujet-là. Alors vous dites, et ça on le comprend et on le perçoit pleinement en lisant le livre, que dans le désir il y a d'autres enjeux, il y a d'autres paramètres qui entrent en jeu, notamment des questions de pouvoir. Elle écrit notamment à propos de Cécile, je me demande si je ne baisse pas ce genre de mec pour qu'il se taise et que je me mette à exister. Et souvent dans ses relations avec les hommes, elle présuppose que l'homme a un ascendant. Et on a le sentiment que la sexualité lui sert à regagner un peu de pouvoir. Est-ce que c'est en effet une approche que vous souhaitiez développer à travers ce que vit la narratrice ? Disons que moi, c'est toujours l'impression que j'ai eue. J'ai l'impression que la sexualité, la séduction, le désir, c'était un peu les armes qu'on laissait aux femmes. Alors, à elles de s'en servir, à elles de s'en servir avec succès ou non. J'ai eu très tôt l'impression que c'était effectivement les armes qu'on me laissait pour me défendre dans ce monde-là. Alors évidemment, j'ai un peu changé de perspective depuis l'écriture de mon premier roman, mais la sexualité pour moi, le rapport sexuel, c'était une façon de réduire les hommes au silence d'une certaine manière, c'est-à-dire de reprendre
un pouvoir sur eux, une façon de rétablir une certaine égalité. Et puis, ça a été très souvent aussi, comme je le dis, comme vous me citez, une façon finalement de me mettre moi à parler et à agir, c'est-à-dire une façon de les rendre moins impressionnants. J'ai l'impression qu'une fois qu'un homme est nu, une fois qu'un homme m'a connu et que j'ai connu cet homme-là, j'ai l'impression que là, le vrai dialogue peut commencer. Alors, il y a la question du pouvoir qui interfère, et il y a aussi la question de la classe sociale. À deux reprises dans le livre, on a le sentiment que la narratrice, finalement, est aussi, son désir se croise aussi avec un certain complexe de classe. Elle dit de Cody, donc Cody, c'est un financier américain, à de rares exceptions près, je n'ai jamais baisé que de la classe moyenne. Et ce qui m'attirait chez ce financier américain, c'est son besoin de se venger dans une femme de son rythme de vie atroce, l'arrogance aussi. Et à propos de Vincent, le réalisateur, elle perçoit chez Vincent une forme de condescendance, notamment dans une discussion sur la politique. Donc je me posais la question, jusqu'où est-ce que le désir sexuel peut être conditionné par l'appartenance de classe ? Et le conflit de classe qu'il peut y avoir éventuellement entre les deux protagonistes ? Bah, disons que la sexualité me paraissait, dans une certaine mesure, une façon d'anéantir ce combat de classe et de m'abolir de la notion de classe. J'avais l'impression que la sexualité était un peu ce qui permettait à certaines femmes, dont moi, d'être une espèce de transfuge, c'est-à-dire de voyager de classe sociale en classe sociale, parce que finalement, par rapport à la sexualité, on est tous à peu près égaux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence fondamentale dans notre façon de faire l'amour, selon qu'on soit de cette classe ou alors d'une autre. Moi, je viens de la classe moyenne. Je viens d'une famille, voilà, tout ce qu'il y a de plus classe moyenne, mais avec quand même un père qui me donnait l'impression d'avoir envie de vivre un peu au-dessus de ses moyens, d'être un peu plus haut que sa classe, de sa classe à lui. Et je pense que c'est un complexe que j'ai traîné et que je traîne encore toujours avec moi, bien sûr. Et en rencontrant des gens comme Cody, en rencontrant des gens comme Vincent, c'est pas que je me sente inférieure, parce que je me sens quelque part plus forte que, quoi que le mot forte puisse vouloir dire, mais c'est vrai que je prends conscience à ce moment-là que plus que la classe sociale, en réalité, c'est le genre dans lequel on est né qui fait une véritable différence. Et que j'ai beau être écrivaine, finalement, je suis d'abord une femme. Et que les femmes sont une classe sociale en soi. Et on a beaucoup de mal à sortir de ces cases-là qui nous sont imposées dès la naissance. Alors justement, à propos du genre, la narratrice écrit aussi que les hommes, elle a pris l'habitude de les regarder par en dessous, lorsqu'ils lui plaisent, pour entretenir cette illusion de puissance qui leur est si chère, parce qu'ils aiment ça, se sentir puissant. Mais ça, c'est la façon dont la narratrice perçoit les hommes. Mais est-ce qu'elle n'est pas dans l'erreur, quand même, dans cette perception qu'elle a des hommes ? Bien sûr, mais je pense que la narratrice, et par capillarité moi, nous sommes souvent dans l'erreur. C'est-à-dire, je prétends pas avoir raison, je prétends simplement décrire les émotions qui, moi, me traversent à ce moment-là. Et bien sûr que le discours que je tiens sur les hommes, le discours que je tiens sur la relation hétérosexuelle est empesé de préjugés et d'idées et d'illusions dont on me nourrit depuis que je suis toute petite. Bien sûr que je ne sais pas ce qu'attendent réellement les hommes. Ce sont des projections qui viennent de tout ce qu'on m'a appris depuis que je suis toute petite. Je crois, en tout cas, aussi par mes expériences passées, c'est-à-dire avoir bossé dans un bordel pendant 3 ans, que ma perception des hommes et de leurs attentes ont été biaisées par la pratique de ce métier-là. C'est-à-dire, ça a été quand même mon boulot pendant 3 ans de me prêter au désir des hommes, de répondre à leurs attentes. Et l'inconduite, c'est aussi quelque part un peu une suite de la maison, dans le sens où c'est comment est-ce qu'on se remet finalement d'une expérience comme ça, comment est-ce qu'on récupère son désir, sa sexualité, comment est-ce qu'on réapprivoise sa perception des hommes. Donc bien sûr, ma perception de ça est très biaisée. Et la maison, je ne l'ai pas mentionné, mais c'est votre troisième livre qui est apparu en 2019, dont on a beaucoup parlé. Et vous y faisiez le récit de vos 2 années, je crois, hein, des années que vous avez passées dans une maison close, ouais, à
à Berlin, avec une approche inhabituelle, on va dire, de la prostitution. Et je précise aussi que Berlin, c'est toujours là que vit la narratrice, et qu'en effet, le livre commence sur les suites des conséquences de l'apparition de la maison. La narratrice essaie de se libérer de cet ouvrage. Et alors, ce qu'on ressent très bien aussi en suivant la narratrice dans ses rencontres, dans ses aventures, c'est que elle sait que c'est voué à l'échec, en fait. Elle balance, pour la citer à nouveau, entre son besoin de nouveauté et la conviction, je cite, de ne jamais pouvoir trouver une quelconque satiété dans ses rencontres d'un soir. Donc c'est l'impasse. Elle y va, mais c'est l'impasse. Oui, c'est l'impasse, mais en fin de compte, ces histoires sont réussies, entre guillemets, dans le sens où elles se sont passées à 90% dans ma tête. Donc au moment où, en fait, je passe à l'acte, ce passage à l'acte, je pourrais totalement m'en priver. Ce qui devait se passer entre nous de beau, de fort, s'est passé déjà dans les échanges, que ce soit de textos, de mails, de coups de téléphone, mais surtout dans ce grand fantasme que je me suis bâti de l'homme que j'allais voir. Donc en réalité, la vie que je décris est une incessante montée d'escalier, et je pourrais tout à fait me passer d'ouvrir la porte, mais voilà, je peux quand même pas m'en empêcher. Et vous pouvez pas vous empêcher d'ouvrir la porte, mais c'est vrai que vous passez beaucoup de temps, la narratrice, donc vous par capillarité, pour reprendre votre expression, à analyser les choses, à les mettre en forme, et finalement, on peut aussi avoir l'impression qu'à travers la jouissance, la narratrice, elle cherche à être présente à elle-même et à arrêter d'être dans une distanciation comme ça, cérébrale, une réflexion permanente. Est-ce que c'est aussi une clé du personnage ? Mais tout à fait. Je pense que s'il y a quelque chose qu'il faut comprendre tout de suite du personnage, c'est que je suis quand même très divisée entre ma tête, que j'ai du mal à arrêter dans son flux de pensée constante, et puis mon corps, c'est-à-dire que le plus gros fantasme que j'ai dans ce livre et que j'ai en général, c'est de pouvoir faire taire ma tête au moment du rapport sexuel, en réalité n'être plus qu'un corps. Il me semble que c'est un challenge pour moi en tant que femme, parce que la sexualité en tant que femme, elle est pareille et contrariée par beaucoup de problématiques, par l'idée du désir de l'homme. Ben, comment est-ce que l'homme me voit à ce moment-là? Qu'est-ce que je lui renvoie? Est-ce que je corresponds à ce fantasme qu'il a pu se faire de moi? Et c'est quelque chose qui représente quand même un obstacle dans la libre jouissance, dans le libre désir. Et après avoir de nombreuses années sacrifiées à ce théâtre en fait du désir, ce que j'aimerais effectivement, c'est ne plus penser et juste ressentir. Et je crois que c'est quand même une partie conséquente de la sexualité féminine aujourd'hui, se débarrasser de ce qui nous empêche de jouir et de désirer, c'est-à-dire le regard de l'autre. Je pense que c'est à ce prix qu'on réussit à avoir une sexualité satisfaisante. Et vous avez le sentiment que les hommes sont davantage débarrassés de la considération des attentes de la partenaire ou du partenaire? Non, je pense pas. Je pense que la sexualité masculine est sans doute aussi à certains moments très complexe et très porte énormément de problématiques. Mais je crois qu'il y a quelque chose, une différence fondamentale, c'est que on n'éduque pas les petits garçons, les adolescents et puis les jeunes hommes à se préoccuper du plaisir de l'autre autant qu'on nous l'apprend, nous, aux femmes. Et c'est-à-dire, c'est pas des messages que nos parents nous passent, hein. C'est des choses qu'on sent très bien dans la littérature, dans les films. On est entouré comme ça par un bourdonnement constant qui nous oblige à nous soumettre à l'image qu'on renvoie à l'autre. Je dis pas que c'est plus facile pour les hommes, je dis qu'il y a une différence aussi qui, selon moi, est cruciale, c'est la capacité d'érection et d'éjaculation qui donne au moins l'illusion d'un point final. Oui. Et c'est peut-être pour ça que la sexualité féminine a toujours été décrite comme complexe. Elle est peut-être pas si complexe que ça. Peut-être qu'on l'a voulu complexe parce que c'était trop dur de la comprendre et qu'on en a fait comme ça un truc très compliqué. Bon, voilà, si on commence à essayer de s'y intéresser, on n'a pas fini. Mais c'est-à-dire, même moi, en tant que femme, je la considère complexe, ma sexualité. Je la comprends pas beaucoup. C'est pour ça que j'écris dessus. C'est que j'espère la comprendre mieux. Et alors, on a beaucoup parlé de la sexualité là pendant un quart d'heure, mais il y a aussi la question de la maternité. Et la narratrice, elle est à la fois remplie d'amour pour Isidore, ça c'est largement perceptible,
Et en même temps, la maternité, c'est une servitude. Et ça la stresse, ça l'enferme, ça, elle a l'impression que c'est beaucoup de renoncement. C'est comme ça, vraiment, que vous voyez la maternité Bah, c'est comme ça que j'ai vu la maternité, en tout cas au moment où j'ai écrit le livre. Ouais, je crois que l'amour pur, hein, l'amour total qu'on peut ressentir pour son enfant, et je ne dis pas que toutes les mères ressentent cet amour pur, mais moi c'est mon cas. C'est effectivement le pire, entre guillemets, le plus intense des esclavages, parce que c'est un amour qui vous enferme dans un cercle de culpabilité constante, parce que vous ne pouvez pas vous attendre à ce que cet amour vous complète, mais cette impossibilité d'être complété par l'amour vous fait vous sentir très coupable. Et puis voilà, la maternité dans cette société-là, encore aujourd'hui, est quand même conçue comme une astreinte à laquelle les femmes doivent se plier. Et moi, c'est quelque chose qui m'a été, que j'ai ressenti de manière très forte, mais qui n'a rien à voir, évidemment, avec. Je ne regrette absolument pas d'avoir eu mon fils et d'avoir eu le deuxième. J'en suis hyper heureuse, mais c'est vrai que je me suis sentie entravée à plein de moments dans ma vie de femme, dans ma capacité d'agencement. J'avais bien la sensation que mon emploi du temps se réduisait à peau de chagrin et qu'on ne demandait pas exactement la même chose au père. En tout cas, on ne demandait pas la même dévotion, le même oubli de soi. Et je pense que c'est quelque chose dont on devrait pouvoir parler pour y changer quelque chose. Je crois que la petite enfance, ce moment très critique où la vie de votre enfant ne tient qu'à un fil et dépend de votre bon vouloir, c'est une expérience qui est très, enfin, qui vous fait vous poser beaucoup de questions, qui vous fait remettre plein de choses en question. Et j'ai l'impression que c'est toujours un petit peu les mêmes qui doivent se plier et se sacrifier à cette astreinte. Et alors, en lisant le livre, j'ai pensé que, sans doute, vous allez me dire si c'est le cas ou pas, les lectrices, oui, les lecteurs, après tout, mais le livre est sorti au mois d'août, je crois, hein, donc il y a 3 semaines ou 1 mois. Et est-ce qu'en effet, alors peut-être quand même davantage les lectrices, vous disent qu'elles se reconnaissent dans ce que vous dites de la maternité? Est-ce que vous avez ce retour-là? Je pense que le lecteur moyen est une lectrice de toute façon. Moi, c'est l'impression que j'ai depuis que je publie des livres. J'ai l'impression d'avoir plus de retours effectivement des femmes. Mais c'est peut-être aussi parce que j'écris plus pour elles que pour les hommes, malgré ce que j'ai pu croire pendant très longtemps. Mais en tout cas, oui, moi, j'ai eu des retours qui m'ont beaucoup émue, enfin, de femmes qui se sont senties libérée d'une certaine manière par l'ouverture de ce dialogue-là. Et ce qui me fait très plaisir, parce que je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à penser et à penser différemment sur la maternité. Et je trouve ça très émouvant de voir voilà, des femmes de 60, 65 ans qui viennent me voir en comprenant, en me disant qu'elles comprennent très bien ce dont je veux parler. Et encore, j'ai l'impression d'avoir une maternité peut-être plus évidente, peut-être plus facile, en tout cas, que les femmes de cette génération-là. Mais c'est bien que les choses finalement n'ont pas changé tant que ça. Non. Si moi, née en 88, j'ai le même dialogue sur le même discours sur la maternité qu'une femme qui est née dans les années 50, c'est bien que la maternité est considérée encore aujourd'hui comme quelque chose de sacré auquel on n'a pas envie de toucher parce que ça a l'air de très bien fonctionner depuis le début de l'humanité. Mais si ça fonctionne très bien, c'est au prix d'une énorme partie de la vie des femmes. C'est au prix de sacrifices dont on ne parle pas assez, je crois. Oui, et puis votre narratrice, elle est dans un milieu culturel, elle est à Berlin, dans un milieu assez branché qui fait la promotion de l'émancipation, qui est sur des valeurs ouvertes, open. Donc elle-même, malgré ce contexte culturel très favorable à l'affirmation de soi, elle se trouve entravée. Oui, mais parce que vous savez, quand j'ai eu mon premier enfant, j'étais encore à Berlin, comme vous le disiez, et en Allemagne, les crèches prennent très rarement vos enfants avant 1 an, avant qu'ils marchent. Donc ça implique quand même que pendant 1 an, vous soyez seule avec un nouveau-né. Et on ne dit pas assez à quel point le nouveau-né est une présence hostile à certains moments. C'est-à-dire que vous êtes comme ça à attendre le cri, le glapissement. Vous n'avez qu'une envie, c'est que ça s'arrête, parce que c'est un son qui est très strident. Moi, je me souviens, quand on m'a laissée seule avec mon fils, j'arrivais pas à croire qu'on me fasse confiance pour garder un bébé en vie. Enfin, c'est une énorme responsabilité, une énorme pression.
Et puis voilà, la maternité en Allemagne, c'est pas encore la maternité en France, c'est-à-dire que j'ai bien senti que les mamans autour de moi avaient décidé, dans leur grande majorité, que vraiment la maternité c'était presque un autre boulot. Et moi, j'avais pas envie de vivre ça comme ça, c'est-à-dire j'avais pas envie de renoncer à mon travail que j'aime énormément. J'avais pas envie de renoncer à ma capacité de voir s'il n'y a pas autre chose ailleurs pour moi. Et je trouve que autant il y a quelque chose de très apaisant dans la maternité parce que vous n'êtes plus la chose la plus importante de votre vie, autant c'est une pulsion de vie que de se dire mais il y a peut-être mieux, il y a peut-être plus intense. Et j'avais pas envie d'être entravée là-dedans. Mmh. Et Isidore, alors vous l'écrivez, c'est pas un livre pour lui, L'Inconduite, mais il s'y trouve à chaque page et il le lira tôt ou tard. Probablement. Comment vous anticipez ça? Comment j'anticipe ça? Là, pour le moment, j'y pense pas trop parce qu'il commence à peine à lire et je pense pas que ça l'intéressera avant qu'il ait une quinzaine d'années. Mais je pense que d'ici là, je vais faire en sorte d'établir avec mes fils un dialogue qui fait qu'on s'en voudra pas, enfin, qu'ils ne m'en voudront pas. Ils m'en voudront pour plein d'autres choses, ça j'en suis consciente. Mais j'ai pas peur de mes enfants lisant mes livres. J'ai bien plus peur de cette idée que mes enfants pensent que je suis une mère et que j'ai pas eu d'existence à côté de ça. Moi, je pense que c'est bon aussi pour les enfants de savoir qu'ils ne sont pas la seule chose dans la vie de leurs parents. C'est pas comme ça que je conçois le fait d'être parent. Je pense qu'on est des humains et moi, j'ai mieux compris mes parents quand j'ai eu compris que c'était des êtres humains. Et je me suis même demandé si vous l'aviez pas écrit pour lui, en fait, pour établir une relation avec votre fils qui sera pas une relation comme ça où on pose une mère sur un piédestal d'une manière un peu abstraite. Disons, j'avais déjà écrit La Maison, donc je savais que niveau piédestal, ça allait aller. Mais effectivement, j'ai fait le choix de parler de mon fils dans les premières pages de mon livre et de plus trop en parler après, parce que je veux quand même pas l'emmêler à des histoires un peu graveleuses. Je sais à quel point on n'a pas tellement envie d'entendre parler de la sexualité de ses parents. Mais je savais que, parce que c'était un livre où justement je parlais de cette sensation d'oppression que j'ai pu ressentir à tellement de moments, j'avais envie qu'il sache que cette sensation d'oppression, elle n'est pas de son fait. C'est pas lui, c'est pas Isidore qui m'a pesé. C'est la façon dont on imaginait qu'il fallait que je sois vis-à-vis de lui et que finalement, il n'y ait plus rien dans ma vie que la maternité. Ça, j'ai envie qu'il le comprenne. Qu'il comprenne qu'il peut être le plus grand amour de ma vie, mais qu'il ne faut pas se donner tout entier à un amour, qu'il faut garder quelque chose à soi dans lequel on s'épanouit pour soi-même. Je pense que c'est un message important à passer aussi aux petits garçons qui seront peut-être aussi des futurs pères. Le travail, il commence là, le changement. Alors, vous nous disiez au début de notre conversation que vous écrivez surtout sur le désir plus que sur la sexualité, mais vous écrivez aussi sur la sexualité. Et vous avez choisi de le faire sans détour, parce que voilà, vous n'hésitez pas à décrire comment ça se passe de manière très organique. Pour vous, c'était vraiment important de ne pas être dans l'euphémisme, ou dans le contournement Disons que je vois pas ce que l'euphémisme apporte au schmilblick, quoi. Je pense qu'on en a fait assez des euphémismes dans la littérature érotique et on s'attend toujours à des euphémismes de la part des femmes, on s'attend toujours à des lexiques poétiques, on s'attend toujours à des choses beaucoup plus douces venant de la part des femmes. Moi, je pense que c'est une erreur. Je pense qu'il est crucial justement que les femmes osent appeler un chat un chat. Et c'est même pas une question d'oser, c'est une question de revendiquer pour soi des mots qui jusque-là appartenaient un peu aux hommes. C'est-à-dire le lexique martial de la sexualité, c'est aux femmes aussi de se l'approprier. Et il faut pas demander la permission, parce que on n'obtient jamais rien des hommes en demandant la permission, il faut le prendre. Et c'est aussi, je pense, ce qui définit la condition de femme, c'est le besoin de constamment voler quelque chose aux hommes pour pouvoir se créer une place à soi. Donc il n'y a pas de revendication chez moi, j'ai pas envie de choquer, c'est pas mon but. Mais j'ai envie qu'on me laisse écrire la sexualité comme on l'a toujours laissé écrire aux hommes. Et je pense que plus on en parlera de façon claire, nette et précise, et plus on pourra communiquer les uns avec les autres de manière honnête et satisfaisante, et mieux on fera l'amour, en fait, aussi. Et vous parlez de littérature érotique, mais on ne peut pas parler d'un livre érotique. C'est pas l'enjeu du livre. Ah non, mais moi, je revendique pas du tout ce terme pour moi. Hein. C'est-à-dire, c'est un espèce
de raccourcis qu'on fait, parce que je parle de sexualité, je vois qu'on fait pas du tout les mêmes raccourcis pour les hommes qui, de temps en temps, dans un livre, font une scène de cul qui, parfois, peut être tout à fait graphique. J'ai pas l'impression de décrire de l'érotisme, hein, pourtant, Dieu sait que j'aime ça. J'ai l'impression de décrire quelque chose sur la mécanique du désir, la mécanique de la relation hétérosexuelle. C'est pas de l'érotisme en ceci que je n'ai pas l'impression d'écrire pour exciter le lecteur. J'ai lu beaucoup de textes érotiques, mais c'est pas exactement ce que je fais, c'est pas exactement mon langage. Et vous disiez que on est à un moment peut-être important de l'histoire de la littérature où des femmes écrivent sur leur vie sexuelle. Et je parlais avec vous un peu avant qu'on commence cet entretien d'une interview. Alors, je recommande de lire L'Inconduite, mais je recommande aussi à ceux qui peuvent de lire l'échange, l'interview croisée que vous avez accordée à l'Obs avec Catherine Millet, qui a un peu ouvert ce chapitre de l'écriture par les femmes, du fait que les femmes assument le récit de leur vie sexuelle. Pour vous, c'est une référence ? Ah bah moi, c'est une lecture qui m'a beaucoup troublée et interpellée quand je l'ai lu. Je devais avoir quoi, 13, 14 ans. C'est jeune. Et je l'ai lu. Bah oui, oui. Mais alors moi, j'étais déjà très intéressée par ces problématiques-là. Et en fait, j'ai ouvert ce livre en me disant que j'allais certainement trouver des scènes un peu émoustillantes. Alors évidemment, non, je n'en ai pas trouvé parce que ce n'est pas du tout le principe du livre. Et c'est justement ce qui m'a interpellée, c'était cette façon de décrire la sexualité de manière très clinique. Et je dis ça avec beaucoup de révérence parce que j'ai beaucoup aimé ce livre. Et j'ai été très fascinée par le fait qu'elle ne jouissait pas, justement. Que c'était une sexualité dans laquelle elle restait son propre personnage. Elle se regardait faire, mais il y avait peut-être cette impossibilité ou alors cette non-envie de jouir dans laquelle je me suis beaucoup retrouvée. C'est ça, c'est la division dont vous parliez tout à l'heure. Ouais. Exactement. Et c'est marrant de voir que de génération en génération, cette division, elle existe toujours. Et vous me posiez la question, est-ce que les hommes ressentent la même chose ? Je ne sais pas, je ne suis pas un homme, mais j'ai l'impression qu'elle est moins présente, cette division. Après, vous parlez de génération d'écrivaines, donc qui nécessairement, dans leur vie quotidienne, ont quand même à l'esprit le fait qu'elles vont raconter ce qu'elles vivent. Donc, ce qui implique déjà une distanciation. Bien sûr. Alors, évidemment, je me demande toujours si ça, c'est un vice professionnel, finalement, parce que j'écris quelque part. Je suis toujours un peu en recul dans ma tête, c'est sûr. Mais j'ai pas toujours écrit. Par contre, j'ai toujours fait l'amour avec des hommes et j'ai toujours ressenti cette division-là. Mmh. Et je trouve, quand je parle de génération, j'évoque aussi tout simplement l'âge qu'on a. Et je pense que Catherine Millet a fait ses débuts dans la sexualité au cœur d'une ambiance qui n'était pas du tout celle dans laquelle moi j'ai commencé à avoir une sexualité. C'est-à-dire post-68, je pense qu'on avait sur la sexualité un regard qui a considérablement changé. Je pense au film de Bertrand Blier, par exemple. On ne parlait pas de sexe avec la même, dans la même ambiance. Il y avait quelque chose qui était beaucoup plus joyeux, je trouve, que maintenant. Et c'est pour ça que Catherine Millet et moi, on a beaucoup de problématiques qui se recroisent. Mais je pense qu'on ne part pas du même endroit. Et c'est pour ça que sur beaucoup de sujets, je pense, on peut s'opposer aussi. L'époque, elle était très joyeuse, mais est-ce qu'elle n'était pas aussi très inégalitaire entre les hommes et les femmes ? Est-ce que le libertarisme, c'était pas le nom sympa de la domination masculine ? Ah ben, bien sûr, mais c'est-à-dire la libération, ça marche toujours pour les mêmes. C'est-à-dire que la prise de parole, la capacité de parler de sexualité, c'est toujours les mêmes qui en profitent, bien sûr. Moi, je pense qu'il s'est passé plein de bonnes choses, certainement dans ces années-là, au niveau du droit des femmes. Oui, c'était les balbutiements. Mais est-ce que finalement la sexualité, est-ce que le discours amoureux a réellement changé ? Moi, j'ai l'impression que 68 a donné aux femmes la permission de jouir, ce qui est déjà fabuleux. Mais j'ai l'impression, moi, d'avoir grandi dans une société où il y avait justement cette tyrannie de l'orgasme et que si une femme ne jouit pas, c'est qu'elle n'est pas fonctionnelle, s'il y a quelque chose qui ne marche pas. Donc on a remplacé l'interdiction de jouir et d'apprécier la sexualité par une obligation d'aimer ça. Et je pense que c'est pas si évident d'aimer la sexualité. Et d'aimer la sexualité avec les hommes, surtout, je pense que c'est beaucoup de renoncement, beaucoup de compromis, et puis c'est toujours un langage différent, c'est-à-dire il faut s'habituer les uns aux autres. Il y a beaucoup de malentendus dans la relation sexuelle hétérosexuelle.
Et on disait qu'on a le sentiment que les écrivaines, depuis une vingtaine d'années, disent leur vérité sexuelle, mais en même temps, elles sont pas si nombreuses. Alors, Beauvoir avait quand même ouvert une porte de manière très intellectuelle, hein, mais elle a dit des vérités fortes. Ensuite, il y a Catherine Millet, il y a vous avec L'Inconduite, il y a Virginie Despentes, voilà, qui parle aussi de ça. Mais il n'y a pas tant d'écrivaines que ça qui travaillent cette matière-là. Je ne sais pas, c'est une question que je vous pose. Bah, je pense qu'il y en a de plus en plus, et c'est très bien, parce qu'il n'y a pas non plus que la relation hétérosexuelle à explorer, il y a des tas de sexualités qui existent, mais je crois que peut-être l'étude de la sexualité ou du désir peut faire peur, dans le sens où, quand on écrit là-dessus en tant que femme, on a très souvent tendance à être mise dans des cases dont on a du mal à sortir. Regardez, moi, j'ai sorti Monsieur en 2011, on a tout de suite fait de moi un écrivain érotique. Je pense que c'est un malentendu. Et encore aujourd'hui, on fait de moi forcément un écrivain sulfureux. Je ne pense pas qu'on ait cette urgence de mettre des étiquettes sur les écrivains hommes. Donc, ce sont des thèmes qui peuvent, je pense, effrayer. Et puis, on a toujours l'impression de se mettre un peu à nu, bien sûr. Moi, j'ai pas beaucoup de pudeur sur ces sujets-là. Moi, ma pudeur, elle se place à d'autres niveaux. J'ai beaucoup moins de mal à parler de sexualité que j'en ai à parler de l'amour fou, par exemple, ou de mon grand-père, dont je parle dans le livre aussi. Absolument. Ça a été des pages qui étaient plus compliquées à écrire pour moi que les pages où je rencontre des mecs dans un parc. Je me mets beaucoup plus à nu en parlant de comment j'aime. Et alors, le livre s'ouvre sur une citation d'Hervé Guibert. Vous le citez d'ailleurs plusieurs fois dans le livre. Qu'est-ce qui fait qu'Hervé Guibert, c'est une référence pour vous ? Bah, c'était vraiment ce que j'ai lu quand j'écrivais L'Inconduite. Alors, j'avais commencé par À l'ami qui ne m'a pas sauvé la vie, et j'ai été absolument éblouie, quoi. Il y a un souffle chez Guibert, une musique chez Guibert qui, moi, m'a plu, mais qui m'a libérée. Et d'une façon assez simple, en fait. J'aime sa manière d'écrire des phrases très longues qui peuvent prendre plusieurs pages. Et par contre, pour moi, j'ai souvent été complexée par mes très longues phrases. Je me disais, oh, attends, on s'y perd, on sait plus où ça commence, où ça finit. Et en lisant Guibert, je me suis dit, mais non, il y a une vertu dans le fait d'être à bout de souffle comme ça, de ne pas fractionner ses phrases pour ne pas incommoder le lecteur. Il y a des choses que vous ne pouvez dire que dans un long souffle qui vous laisse complètement exsangue. Et c'est quelque chose que Guibert m'a appris. Et puis, ce mélange de délicatesse et d'extrême crudité, moi, c'est quelque chose qui me touche, quoi. C'est vraiment un écrivain important pour moi, Guibert. Et vous dites aussi dans le livre qu'il plaçait vraiment l'intime au cœur de sa relation avec les autres. Quand il parle de Michel Foucault, quand il parle de Mathieu Lindon, ça passe toujours par le désir, l'amitié, la relation personnelle. Ça aussi, vous pensez que c'est la clé C'est-à-dire, je pense que si on veut écrire sur soi, il faut se débarrasser de plusieurs choses. Il faut se débarrasser de l'impression que ça n'intéressera que vous. Moi, je pense que quand on écrit sur soi, c'est pour décrire l'expérience humaine d'une personne à une époque donnée, dans un contexte donné. Et je pense que, pour moi, c'est ça l'intérêt de la littérature contemporaine, là, maintenant, tout de suite. C'est que des gens vous lisent et se disent je suis pas seule, en fait, avec ces problématiques-là. C'est presque une façon de lier des liens d'amitié avec les personnes qui vous lisent. Et Guibert, je sais pas, il écrit des choses, il écrit avec une grande tendresse. Alors, il est capable d'être très méchant, mais on sent bien que cette méchanceté est plutôt dirigée vers lui. Et pour moi, c'est un précurseur de plein de choses, Guibert. J'essaye pas de faire du Guibert, mais j'essaye d'avoir cette liberté que lui avait. D'écrire sur lui sans constamment se dire ça n'intéresse personne, quoi. Oui, vous avez cette inquiétude, c'est une question que je voulais vous poser, de qu'on puisse penser que c'est nombriliste, comme ça, le fait d'écrire la première personne du singulier, le livre s'appelle roman, vous nous expliquerez peut-être pourquoi, mais c'est la question du nombrilisme, elle vous préoccupe quand même ou vous en foutez?
Oui, elle me préoccupe. Par éclat, c'est vrai que j'ai toujours tendance à me dire, bon Dieu, ça, oui, ça va intéresser qui à part mon agent et mon éditeur. Bon, vous me direz, c'est déjà bien. mais je pense qu'il faut s'affranchir aussi de ces considérations. Moi, je suis partisane de dire si ça intéresse au moins deux personnes, alors j'ai réussi mon coup. Et puis, je pense qu'on parle bien que de ce qu'on connaît bien. Et j'ai quand même un petit peu l'impression de me connaître, donc j'essaye de livrer voilà mon expérience à moi. Mais oui, si on pense constamment à comment ça va être reçu, je pense qu'on n'écrit pas. Puis bon, des auteurs nombrilistes qui écrivent sur tout à fait autre chose qu'eux-mêmes, il y en a beaucoup aussi. Quand on est nombriliste et qu'on a envie de parler de soi, même sur un sujet qui n'a rien à voir, on y arrive. Et alors pourquoi vous avez choisi Et pourquoi vous avez choisi de préciser que ce texte est un roman, alors qu'on n'a pas nécessairement l'impression de lire un roman? Parce que le roman autofictionnel, ça existe. Alors, la différence entre l'autobiographie et le roman autofictionnel, moi, je ne suis pas dans un rapport scrupuleux de ce qui s'est passé à tel ou tel moment de ma vie. C'est-à-dire, je n'ai pas la prétention de décrire exactement les événements comme ils sont arrivés. Ce que j'ajoute à ce semblant d'autobiographie, c'est quand même aussi le poids du souvenir, c'est les émotions qui vous traversent quand vous vous rappelez de quelque chose. Et puis quand vous vous rappelez de quelque chose, vous vous en rappelez peut-être pas forcément avec rigueur, il y a plein de choses que vous avez oubliées ou vous recomposez. Donc en ce sens, un roman sur soi n'est jamais une autobiographie. Il y a toujours une part de romanesque là-dedans. Il y a toujours la construction d'un personnage qu'on aimerait être et qu'on n'arrive pas souvent à être. Mais il y a aussi tout le fantasme qu'on se fait sur soi. Donc en ça, c'est un roman. Et l'importance de la mémoire. Et la narratrice, en fait, je disais qu'elle cherche le plaisir, mais en fait, elle cherche le souvenir du plaisir. C'est-à-dire, elle cherche à retrouver le plaisir tel qu'elle s'imagine l'avoir vécu dans des expériences passées. C'est un peu ça, sa quête. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que je, au moment où j'écris, en fait, c'est là que je retrouve véritablement la scène telle qu'elle s'est passée, sans avoir cette division en moi. C'est-à-dire que quand j'écris, je suis quelque part, paradoxalement, une troisième personne dans la pièce qui regarde ce qui s'est passé de façon, en essayant d'être la plus exhaustive possible. J'essaye d'être la plus juste possible pour essayer de ressentir ce que je n'ai pas pu ressentir au moment où ça se passait, parce qu'effectivement, j'étais déjà quelque part en train de l'écrire. Enfin, je pense qu'écrire, c'est aussi être un petit peu partout et nulle part à la fois. Et ça déteint forcément sur la façon dont vous vivez. Je ne suis pas en train de dire qu'être écrivain, on ne naît pas écrivain, c'est pas une espèce de sacerdoce qui vous tombe dessus depuis le berceau. Mais je pense que ça corrompt. Ça oriente en tout cas votre façon d'être dans l'existence. Et alors, je parlais de la référence à Hervé Guibert. J'ai lu aussi dans une critique, voire deux, des références à Guillaume Dustan. Comment vous recevez J'ai aussi beaucoup lu Dustan à cette époque-là, et là c'est pas. Enfin, voilà, vous parliez de comment est-ce qu'on se libère de cette impression de nombrilisme. Et c'est peut-être en lisant des gens comme Guibert et Dustan qui eux foncent sans donner l'impression, en tout cas, de se poser la moindre question, parce qu'ils savent qu'ils ont quelque chose d'important à livrer au monde. Et moi, cette façon de parler de sexualité sans essayer de faire de la poésie, sans essayer de, en étant même parfois très très froid et très très graphique. Pour moi, là-dedans, il y a justement une forme de poésie extrême. Il y a des fulgurances chez Dustan qui mettent les larmes aux yeux. Je trouve que tout n'est pas égal, bien entendu. Mais ce soir, je sors dans ma chambre. C'est vraiment quelque chose d'hyper important. Ouais. Sauf que je trouve que dans les textes de Dustan, il y a beaucoup de mélancolie et de tristesse, une tristesse vraiment fondamentale, alors que vous, votre narratrice et vous-même, en fait, puisqu'on voit bien que c'est la même personne, je sens plus de la colère et une énergie différente. Oui, mais vous voyez justement cette tristesse ou cette nostalgie que j'aurais pu ressentir comme Dustan si j'avais eu le temps et l'énergie pour baiser autant que lui, je ne l'ai pas parce que je suis mère au moment où j'écris et que j'ai pas que ça à faire, en fait. Mais je pense que si je m'étais adonnée comme ça à mes fantasmes autant que Dustan, j'aurais probablement été triste. Il y a quelque chose dans cette accumulation de conquêtes et de nuits sans sommeil qui rend triste, bien entendu, parce qu'il y a toujours un moment où on se dit « mais tout ça, pourquoi ?»
Et bien, et cette mélancolie du temps, je la comprends tout à fait. Mais j'avais pas le loisir de faire la même chose. Ok. Et là, vous écrivez à nouveau, toujours, j'imagine, ou Ouais, j'écris, je suis sur plein de projets à la fois, donc c'est hyper enthousiasmant, c'est un peu effrayant aussi, mais voilà, c'est on se, je me sens très vivante, donc c'est déjà super. Et l'inconduite, c'est quoi au juste? Bah, l'inconduite, c'est lisible à plusieurs niveaux. En fait, c'est pas tant mon inconduite à moi, parce que j'ai pas l'impression de mal me conduire et ça n'a jamais été mon étendard. Je pense pas être quelqu'un qui se conduit mal, mais je sens bien qu'en étant mère, il faudrait se conduire d'une certaine manière. Et c'est aussi l'inconduite des hommes, hein, dans la mesure où finalement, au moment où j'ai écrit ce livre, j'étais assez en colère de m'apercevoir qu'ils n'arrivaient pas, ils refusaient. En fait, de m'obéir et de rentrer dans les proportions que je leur donnais dans mes fantasmes. Et c'est aussi lisible comme ça, ce terme d'inconduite. Parfait. Et l'inconduite, c'est avant tout le titre de votre quatrième roman, paru chez Albin Michel, dont je recommande la lecture à chacun de ceux qui nous ont écoutés. Et c'est dans au diapason de la conversation qu'on a eue, que moi j'ai trouvé passionnante. Merci beaucoup, Emma Becker. Merci à Et vous. bon après-midi. Vous aussi.